Salut tout le monde, aujourd'hui on dépose la culasse. Si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos sur la manière dont on dépose le couvre-culasse et les arbres à cames, je vous invite à aller voir les vidéos directement sur ma chaîne. C'est parti! Donc je viens de voir qu'il fallait enlever le guide chaîne ici. Donc c'est simple, hein, il suffit juste de le lever, de le sortir de l'encoche. Et de le tirer tout simplement. Donc moi a priori il est plutôt en bon état. Il est pareillé ou quoi que ce soit d'autre. Donc c'est impeccable. Hop. Donc on se munit d'un écrou de 14 et on vient desserrer les écrous de culasse. On privilégie un desserrage en escargot, même si moi je ne l'ai pas fait dans l'ordre. Je vous mets un petit schéma pour vous montrer à quoi correspond l'ordre de serrage en escargot. Donc pour le desserrage en escargot, on commence par la dernière vis. Aidez-vous d'un petit aimant télescopique pour récupérer les écrous. Donc il y a aussi cet écrou là qui maintient la culasse en place. Donc je vais le démonter. Pour la décoller, moi je vais venir faire levier gentiment ici au niveau de la culasse. Tout doucement, là on voit que ça bouge. Donc là normalement elle devrait venir facilement. Je vais continuer ici. Bon alors du coup ça commence à venir, mais le souci que j'ai eu, c'est à cause de ces tuyaux là. Ils étaient collés, j'ai pas réussi, j'ai galéré à les décoller de la culasse. Et aussi faire attention parce que les rondelles des vis de culasse, elles sont galères à enlever. Bon là j'ai réussi, au début j'ai pas réussi à les enlever. Du coup les rondelles en fait elles étaient collées, donc elles maintenaient toujours la vis.
Donc vu qu'il faut il faut lever droit pour que ça vienne. Bon bah là du coup ça vient tout seul. Bon, là normalement la culasse elle devrait venir. La voilà cette culasse avec ses 16 soupapes que je vais roder. Donc le vieux joint de culasse. Bon, on voit clairement qu'il a quand même bien vécu. Hein. Le truc, il est collé. Bon, il a quand même fait son temps, quoi. C'est pas plus mal de le remplacer. Voilà. Donc la culasse, elle est plutôt en bon état. Y a rien à dire de ce côté-là. On va pouvoir préparer la surface et roder les soupapes. Et du coup, voilà l'état des chambres de combustion. N'oubliez pas mon petit pouce bleu et surtout abonnez-vous. La suite au prochain épisode.